Bon, allez. On va continuer notre petite partie. Seul à être testé. Tu savais que j'avais été marié. Elle est belle, n'est-ce pas? Nous attendions notre premier enfant. Nous n'étions pas bien vieux nous-mêmes. Et j'étais terrifié. J'allais devenir père. Nous n'avions pas d'argent. Elle ne s'en faisait pas. Elle pensait au fond d'elle que tout irait bien. Elle a toujours eu la foi. Et puis un jour, elle est partie pour voir une amie. Elle a eu un accident. Et Dieu prend. On m'a conduit jusqu'à l'hôpital. Et on m'a mis dans une salle avec cette petite chose toute rose, pleine de tubes. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je reste fort. Parce que... Dieu a l'éveillé sur notre enfant. Et ils m'ont laissé là, seul dans une pièce avec elle. Je l'ai fixée. Ma petite fille. Sans défense, si innocente. Et tout ce qu'elle avait au monde, c'était moi. Un minable venu de nulle part, sans le moindre sou. Et à cet instant, j'ai su que Dieu était en train de me tester. Il m'indiquait la marche à suivre et j'avais simplement à choisir. Alors j'ai posé ma main sur sa tête minuscule. Et je me suis penché, je pouvais la sentir. Et nous avons prié ensemble. Espèce de saint. Espèce de saint. Fort. Et à cet instant, j'ai compris. Dieu avait un projet pour moi. J'ai foutu une balle dans la tête. Placé sur le tube en plastique relié à son visage angélique et je l'ai serré. Tu as foutu une balle dans la tête, non? Donne et Dieu nous reprend.
sacrifice. Tout ça fait partie de son épreuve. À nous de prouver que nous pouvons le servir, quoi qu'il exige de nous. Tu as bien travaillé. C'est un malade ce mec, c'est un malade. Il est bon à enfermer. Il est bon à enfermer. Taré ce mec. Complètement taré. Complètement taré. Tu n'es pas un héros. Fêlé ce mec. Il est fêlé. Il y a un grain même, il y a un grain. Il y a un grain. Complètement taré. Attention au temps. Oui, mais de son temps, de son temps. Tu es faible. Ah bah les faibles. Entraînez, traquez, tuez, sacrifiez. Un grand ce mec. Il est un grand. Sacrifie les faibles. Complètement taré, mon pauvre vieux. T'es complètement taré. Connais ton rôle. Bien, bien, bien. Complètement taré, mon pauvre vieux. Le temps presse. Abattons les faibles! Pas mal. Voilà. Connais ton rôle. Enchaînez. Non, 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 non. J'ai hâte de lui foutre une balle dans la tête. Pas pourquoi, je...
J'ai dû lui foutre une balle dans la tête. J'ai hâte de lui foutre une balle à la tête à Starry. J'ai hâte de lui foutre une balle à la tête à Starry. Qu'est-ce que cinglé? Cinglé. Complètement taré. Complètement taré. En parlant de taré. Bon. Je vais pas parler de lui parce que il me dégoûte. Mais se prétend de DJ qu'on n'est pas. C'est. Je trouve ça triste. On est arrivé au point de se filmer en train de faire son DJ. Hein. Je trouve ça vraiment triste. Je trouve ça vraiment triste. Après, hein. Je trouve ça vraiment triste. Mais bon. Mais bon, comme ça, malheureusement. Mais non.
carte. Je comprends pas un peu comment ponte jusqu'à là-haut. Tu peux grimper, hein? Mais on peut pas aller jusqu'à là aussi. Ouais, mais on peut pas grimper jusqu'à là. Oui, mais là-haut, on peut pas grimper. Ouais, mais c'est pareil, c'est pas... Ouais, c'est la même pièce. Ah ben non. Ok, les renforts arrivent. Ils sont là d'une minute à l'autre. Thank you.
coup. Franchement, quand je vois ce que devient un mixeur, je me dis, bah, en fait, mixeur, ça ressemble de plus en plus à ce qu'on peut voir sur PS4. C'est dingue. Hein. C'est. En fait, ça ressemble de plus en plus à ce qu'on peut voir sur PS4, quoi. C'est. Rien que d'avoir ça en tête, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. C'est hallucinant. Hein. Pour ceux qui connaissent Periscope, c'est pas. Franchement, pour ceux qui connaissent Periscope, c'est pas une référence. Hein. C'est vraiment pas une référence. Hein. Franchement. Pour ceux qui connaissent Periscope, c'est vraiment pas de référence. Franchement, quand je vois ce que certains font de mixeur, je me dis mais mec, voilà quoi, c'est. Quand je vois ce que certains font de mixeur, je me dis mais non mec. Ça fait flipper hein.
Franchement, ça fait flipper, hein. Ça fait vraiment flipper, hein. Ça fait vraiment flipper. Ça fait vraiment flipper. Surtout quand tu sais ce que tu peux voir sur Periscope, tu te dis waouh. Ok, ouvrez la porte qu'on puisse commencer. C'est, je sais pas, j'arrive même pas à trouver les mots. Je sais pas. Je comprends même pas comment Mixup peut laisser faire ça, quoi. Nous on diffuse des jeux, on diffuse nos jeux. Nous on diffuse nos jeux, on fait ce qu'il faut faire, quoi. Et il se font voir en train de faire ce que ferait un DJ, quoi. Et eux ils ont jusqu'à 17, une vingtaine de spectateurs, quoi. C'est complètement hallucinant, quoi. Je trouve ça complètement aberrant, quoi. Attention, j'en vois un. Je trouve ça complètement aberrant, quoi. Je trouve ça aberrant. Complètement aberrant, quoi. Je trouve ça complètement aberrant. Merde alors, vous l'avez vu. Ok, descendez. J'étais pas sûr que vous y arriveriez, mais vous l'avez fait. Oh, regarde. Je trouve ça aberrant, quoi. Je trouve ça aberrant. Bien plus dilaté que je m'y attendais. En tous les cas, ça motive. En tous les cas, ça fait pas motiver les. Ça fait pas motiver les streamers débutants qui voient ça, quoi. Ça les motive pas. Moi personnellement, ouais, j'ai tout vu, hein, ce mixeur. Hein. Là, ça atteint un sommet, là. Là, ça atteint un niveau. Qui est même pas atteint. Bref. Là, il faut voir pour le croire, quoi. Il faut. Ouais, je donnerai pas son pseudo parce que ça serait lui porter de l'importance, et j'ai pas du tout envie de lui porter de l'importance à ce mec-là. Mais franchement, c'est là ce que je l'ai vu faire sur ce mixeur, hein. Là ça a atteint des hauteurs. Tu voudrais me mettre en pièce. Ça a atteint des hauteurs je me mets à la place d'un streamer qui débute dans le streaming, un débutant que j'ai aidé, hein, parce que j'étais un débutant. Je m'imagine étant un débutant de voir ce mec là. Tu vois ce mec là faire le David Guetta du pauvre, parce que c'est ce qu'il fait, un David Guetta du pauvre, et et tu te dis, non mais attends, le mec il est avec sa table de mixage, il diffuse de la musique, en train de faire sa table de mixage, et le mec il a jusqu'à 20 spectateurs qui le regardent, quoi. Toi tu vas en faire autant, tu vas avoir zéro, quoi. Et c'est là où tu te dis, non mais c'est quoi le délire, quoi. C'est là où tu te dis, non mais je crois rêver, quoi. Limite tu ferais ça, tu te ferais bannir, parce que, limite tu ferais ce que ce mec fait là, tu te ferais bannir, toi. Parce que là, mon dieu, t'as pas le droit. Lui le fait. Laisse-moi t'observer. Ah, mais toi, hein. Toi tu le ferais, tu te ferais bannir, hein, direct, hein. Il te laisserait même pas une heure en train de se mettre comme ça, hein. Au bout d'une demi-heure, tu recevrais un
au bout d'une demi-heure, tu recevrais un message des mixeurs disant eh, vous avez pas le droit de faire ci, vous avez pas le droit de faire. Je peux dire qu'ils ont, je peux dire que mixeurs, ils ont de la chance que moi je puisse pas faire ce que lui ai fait avec un avec des messages, parce que si moi aussi je pouvais le faire, et que je pouvais et que dans ma chambre parce que c'était disposé comme enfin je pouvais faire comme lui et que comment dire et que je me ferais bannir de mixeurs parce que je fais ça. Je peux dire que ça reste limite que ça gueule deux secondes. Parce que attends, arrête. Alors, laisse-moi t'observer plus. Ils ont beaucoup de chance que moi je puisse pas le faire. Beaucoup de chance. Parce que si moi aussi je pouvais le faire et que je me ferais bannir pour ça, bah crois-moi que là, à mon avis. Regardez ces pupilles. Crois-moi que là, à mon avis, là. Alors là. Là, je pense que là, ça. Je pense que là, ça marcherait pas là. ça marcherait pas là. Alors là. Je pense que ça marche pas. Je sais pas comment vous remercier. Je pense que ça marche pas. J'ai tout ce qu'il me faut pour synthétiser. Tenez, prenez cet échantillon de test. Ça devrait vous aider à chasser ces créatures. Il faut pointer et appuyer délicatement sur la gâchette. Je pense que ça marche pas. Après, je vais bien être. Après, je vais bien être tout ce qu'on veut. Hein. Je vais bien être. Je vais bien me faire traiter de tout ce qu'ils veulent. Et là, à un moment donné, faut arrêter de lire, quoi. Faut arrêter de lire. Tu fais. Bah, tu fais quelque chose de voilà, quoi. Toi, tu stream ton jeu et puis t'es là comme un con avec Zero Splatter et puis lui il fait son David Guetta du pauvre et puis lui il a hallucinant quoi, c'est hallucinant, ça me dépasse. Il y a beaucoup de choses qui me dépassent mais là je crois que là. Je crois que là c'est. Simon, quoi. Là, je pense que là c'est. Là ça va au-delà de ce qu'on pourrait imaginer quoi. Et c'est ça que Mixer, ils ont beaucoup de chance que moi je puisse pas le faire aussi. Ils ont une chance mais de cocu quoi. Ils ont une chance de cocu. Parce que si moi aussi je pouvais le faire et que je me ferais bannir tout ça parce que. Alors là, je crois que là ça barre des débuts là. Je veux bien qu'on me traite d'amateur, qu'on me traite de tout ce que tu veux, mais là, à un moment donné, faut pas non plus trop abuser, hein, faut pas non plus exagérer, parce que là, je veux bien tout ce qu'on veut, hein, je veux bien entendre tout ce qu'ils veulent, mais là, à un moment donné. Il arrive à un moment donné où même si t'as entendu tout plein de trucs, même si tu vois des choses qui te sortent par les yeux sur le mixeur, là à un moment donné tu te dis attends, là il y a un problème, là il y a quelque chose qui va pas. À un moment donné tu te dis là il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui va pas. Là. Toi, tu vas faire ça, tu vas te faire bannir, et puis eux, ils font ça, ils ont rien. Alors là, je vais bien tout entendre, je vais bien entendre tout ce qu'ils veulent, mais là, à un moment donné, je dis non. Faut pas non plus trop pousser mes mains dans les gentils. Hein. Parce que là, mais il faut pas pousser. Hein.
Il faut pas trop pousser mes mains dans les ordi. Hein. Elle a pas de culotte. Est-ce qu'il y a des choses aberrantes que je vois ce mixeur et puis ça va piercer? Mais là, là c'est même pas de l'aberration, hein. C'est du gros foutage de gueule, quoi. C'est du gros foutage de gueule, quoi. Et si nous on le fait, enfin si moi qui est zéro spectateur, qui ferait ce que ce mec il fait, que je ferais DJ, enfin que je me diffuserais en train de faire de la musique avec mes tables de mixage. Je suis sûr et certain que si je le fais, que si je pourrais le faire, je suis sûr et certain que je me ferais bannir. Pourquoi? Parce que je stream ça et que c'est pas le. Il me dirait, j'aurais des messages, je dirais ouais, mais vous streamez pas un jeu, vous streamez en train de faire du mix. À mes mixeurs, c'est pas. Il faut. Mixeur, c'est fait pour streamer les jeux, c'est pas fait pour streamer vos. Enfin, bref. C'est pour ça qu'ils ont juste une chance, mais. Ils ont du bol, mais. Je crois qu'ils ont même pas conscience de la chance qu'ils ont, quoi. C'est crois-moi que voir ça, voir un mec comme lui avec autant de spectateurs en le voyant streamer en train de faire son truc de DJ, hein, ça me. Ils ont juste cette chance là, quoi. Ils ont juste la chance que je puisse pas le faire. Parce que crois-moi que si je le ferais, alors là, crois-moi que là, ça chierait des bulles. Hein. Là, si j'aurais eu des réflexions en me disant ouais, mais vous pouvez pas le faire, vous avez pas le droit de le faire, vous avez pas le droit de streamer ça, vous avez pas le droit de vous montrer en train de streamer de la musique, parce que Mixer c'est pas fait pour ça, blablabla. Alors là, crois-moi que... Je vais bien tout entendre, hein, mais là, à un moment donné, faut juste arrêter de prendre les gens pour des cons, hein. Non, c'est bon, quoi. Bien gentil à un moment donné, mais faut pas pousser non plus, hein. Déjà que quand j'en vois certains, en l'occurrence lui, qui a plus de spectateurs que moi, qui diffuse quand même depuis ça fait 4 ans que je diffuse sur cette plateforme et la seule récompense que j'ai c'est d'avoir 0 spectateurs. Donc à un moment donné, trop c'est trop. Et je pense que ceux qui se sont barrés de mixeur, parce qu'il y en a plein qui sont barrés. Je pense que quand ils ont vu ça, ils ont dû se dire si c'est pour être sur cette plateforme et de streamer pour du vent, c'est pas la peine. Je vais pas leur donner raison, parce que faire ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Franchement non. Oula.
Bon, bah c'est bon, tout ça, c'est déjà fait. Tac, voilà, c'est fait. Bon, maintenant, maintenant. Alors. On va faire quoi maintenant? Bah, on va faire. Attends, je suis où là? Bah, on va faire les deux boutons. On va faire les deux machins. Ouais. Je sais pas si je vais pouvoir. Je sais pas si c'est assez long. C'est combien? C'est long, c'est long. C'est où le machin? C'est où? Là-bas? Bon, ça va, je suis pas trop loin. Parce que je pense que. Je pense qu'à un moment donné, ce mixeur. Enfin, même mixeurier d'ailleurs, hein, je pense qu'à un moment donné, faut juste arrêter de prendre les autres pour des. Pour des crétins. Parce que là. Tout ce que Mixer va réussir à faire, et de toute façon c'est ce qui se passe, c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Là tout ce qu'ils vont réussir à faire Mixer, c'est que il y en a qui vont être dégoûtés de la diffusion, qui vont être dégoûtés de streamer, et tout ce qu'ils vont réussir à faire, c'est que bah comme ils vont être dégoûtés, et bah ils diffuseront plus, voilà. Ils diffuseront plus sur Mixer parce qu'ils trouveront ça. Ils diffuseront plus sur Mixer parce que ils jugeront, ils estimeront que quand on stream sur les jeux, on a personne qui nous regarde, donc ça sert à rien. Et ça sert à rien de continuer à streamer, de toute façon on a personne qui nous regarde. Ils vont être tellement dégoûtés, et à vrai dire, on. Enfin, moi personnellement, ces mecs-là, moi je les comprends. Parce que même moi, ça me dégoûte. Quand je vois ça, ça me dégoûte. Franchement, quand je vois ça, ça me dégoûte profondément. Parce que j'arrive pas à comprendre que ce genre de mec arrive à avoir. Je comprends pas que ce genre de mec arrive à avoir autant de spectateurs. Alors que voilà quoi. Je vois pas pourquoi que lui il aurait les privilèges d'avoir autant de spectateurs que nous on n'arrive même pas à l'avoir un quoi. Donc c'est. Je trouve ça. Je vais même pas dire que je trouve ça honteux. Je trouve ça. Déplorable. Déplorable parce que. Est-ce qu'il y en a qui se. Il y en a qui se triturent la tête à streamer leur jeu en croisant les doigts que leur connexion. Que leur connexion tienne le coup. Que l'image pixelise pas, que tout ça. Enfin bref, et quand tu vois des mecs comme lui, faire ce qu'il fait. Hein. Tu te dis là, mais attends, c'est. On est où là? On est sur Periscope ou on est sur Mixer? Parce que franchement, ce que ce mec fait, tu vois exactement la même chose sur Periscope. Hein. Je préfère en rire parce que je trouve ça. Pathétique quoi, je trouve franchement. Ah mais franchement il n'y a pas de mots quoi, je trouve ça pathétique. Franchement s'il veut faire ça il va sur Periscope hein. J'ai la Periscope, ils sont friands de ces machins, ils sont friands de ça Periscope. Ah non mais c'est clair hein. Ah non mais hallucinant quoi. Je suis même prêt à lui donner le lien de Periscope. Je serais même prêt à lui donner le lien, s'il veut le lien. Tellement qu'il me fait pitié. Ah mais j'ai... Généralement, j'ai aucune pitié pour les personnes des mixeurs. J'ai aucune pitié les concernant. Et à vrai dire, il mérite pas ma pitié.
Mais quand je vois ça, je me dis, mais attendez, les mecs, si tu veux streamer du. Si tu veux te faire croire pour un mec que t'es, pour un DJ, pour un David Guetta, je veux dire, tu vas sur Periscope et c'est bon, hein. Ou Instagram et puis c'est bon, hein. Tu vas sur Periscope, tu mets ta caméra à la même endroit, au même endroit que lui l'a mis, puis tu vas sur Periscope, hein. Periscope, pas de problème, hein. Tu passes par Restream, comme moi je fais, Periscope, hop, tu fais ton David Guetta du pauvre, et puis c'est bon, hein. Ah bah, t'auras du monde, hein, là, sur Periscope, il aura du monde, hein, c'est sûr, hein. Ouais, c'est... On est où, là? On est où? Franchement, on est où, quoi? On se croit où, quoi? Non, mais c'est hallucinant, quoi. C'est complètement hallucinant, quoi. C'est irréel, quoi. C'est irréel. C'est totalement irréel. On croit rêver, quoi. On croit rêver. On croit rêver. Enfin bref. Bref. Des fois pour des raisons qui m'échappent, des fois... Attends, on va te calmer. Allez, voilà, comme ça l'hérétique, il t'a tué. You mec. You le gars. Voilà. Non mais je pense que le gars là qui fait son David Guetta du pauvre là, je pense qu'il devrait vraiment penser à aller sur les streams et puis à faire ça sur Periscope, hein. Parce que ça en est tellement ridicule, ce qui fait que... Je vais même pas dire que j'ai de la peine pour lui, parce que... Avoir de la peine pour lui, j'arrive même pas à avoir de la peine pour lui, quoi. J'arrive pas à avoir de la peine pour lui. Pourtant, je fais des efforts, mais j'arrive pas. Franchement, j'arrive pas à avoir de la peine pour lui. J'arrive même pas à avoir de la peine et encore moins de la pitié. Je sais pas, j'arrive à avoir ni un ni autre. Je sais pas. Et là, c'est...
Je crois que de toutes les choses que j'ai vu ce mixeur, je crois que là c'est... Là, je crois que là c'est... De toutes les choses Uluberlu que j'ai vu là, je crois que là c'est... Là c'est le summum du summum là. Là. Là je crois que là c'est le summum du summum. Je crois que là il a atteint le point de non-retour. Là c'est du... Là je... Sincèrement là il a... Je crois que là il a atteint le sommet là, je crois que là il a atteint le point de non-retour là. Je crois qu'il a atteint le point de non-retour. Voilà. Récupérer les briquets, récupérer, trouver, récupérer. Les tonneaux, le whisky, un chéri. Ah bon. Là. Là je crois que là on peut pas. On peut pas faire pire. Là. Là, je crois que là c'est... Je crois qu'au niveau du point de non-retour là c'est... Là... Je pense qu'il s'est perdu hein, je pense que... En plus c'est pas la première fois que je le vois faire. Je pense que le mec là il s'est perdu là, je pense que là il s'est... Là je pense que là il s'est perdu, il s'est garé là, je pense que là... En arriver au point de faire ça... Je pense qu'il s'est garé, mais je pense que là il s'est... Je pense qu'au fond de lui-même il s'égare quand même. Je pense qu'il s'égare totalement là. Je pense qu'il s'égare totalement. Là. Dites-moi que vous les avez trouvés. Je suis vraiment heureuse que vous ayez trouvé le McEllen. Mon père jurait que c'était un mythe. Mais moi j'y croyais. Ce whisky vieillit sous l'eau depuis plus d'un demi-siècle. Je parie qu'il pourrait me rapporter gros. Je vais peut-être le vendre. Mais pour l'instant, je vais profiter de cette petite réunion de famille. Merci pour tout. Bon, en tout cas, moi, je suis pas égaré. Bah. Oh, putain. Ça a eu ce qu'elle méritait. Moi, en tous les cas, je suis pas. En tous les cas, moi, je suis pas égaré. Je sais ce que je fais. Je suis pas encore. Je suis pas encore totalement cinglé. Pas encore. Ça va peut-être finir par l'être. Hein. J'ai peut-être finir par être complètement taré. Mais hein, pour l'instant, je suis. Comment on dit? Je suis sain. Comment on dit déjà? Je suis sain de terre. Je suis sain de tête et... Je suis sain de tête et d'esprit, je crois. Je sais plus comment on dit. Je suis sain de tête... Enfin, bref. Moi, je suis pas garé, moi. Ce mixeur, ce mixeur, moi, je stream mes jeux. Et non... ce mixeur, je stream mes jeux et non... moi, en train de faire... En train de mixer de la musique sur les tables de mixage. Je pense que ce mec là, bon, pareil, hein, je dirais pas qui parce que j'ai pas du tout envie de faire la pub. Il a suffisamment de monde, donc j'ai pas envie de lui faire davantage de pub. Mais je pense que ce mec là un jour. Un jeu qui sera pas fait comme un autre. Je pense que je pense qu'il y en a peut-être un dans l'eau qui va voir ce qui va voir que il fait des streams comme ça, qu'il achète pas comme une personne qui le regarde. Et je pense qu'un jour, il va y en avoir un, peut-être plusieurs même qui vont dire attends, qui vont mettre les points sur le i, les barres sur le t, qui vont les mettre les points sur le i, les barres sur le t. Et je pense que ça ira mal pour lui. Je pense que ça ira très très mal pour lui.
Je pense que ça ira très très mal pour lui. Parce que, ouais, c'est à un moment donné. Il est gentil, mais. Voilà quoi. C'est bien gentil, sauf qu'à un moment donné, la gentillesse, hein, voilà. Sauf qu'à un moment donné, la gentillesse, voilà. Sauf qu'à un moment donné, la gentillesse, bah, y a plus de gentillesse, hein. Il n'y a plus de gentillesse. Donc, je pense, en fait, je pense que ce mec-là, il a besoin qu'une seule chose. C'est qu'on lui mette les points sur les i et les barres sur les t. Je pense qu'il a besoin de ça. Je pense qu'il n'a pas besoin d'autre chose. Il a juste besoin qu'on lui mette les points sur les i et les barres sur les t. Qu'on lui dise... ce que tu fais, c'est pas bien... pense un peu aux autres qui n'ont personne qui les regarde. Je pense que qu'il devrait prendre conscience de ça. Je pense. Parce que un jour ou l'autre, je dis un jour qui sera pas fait comme un autre, il va s'en prendre plein la tronche. Et à vrai dire. Bon, je vais être méchant, mais à vrai dire, s'il s'en prend plein la tronche, je vais pas non plus être là et dire, non, faites pas. Voilà, hein. Voilà. Je vais pas faire partie des personnes qui vont dire, qui vont prendre sa défense, etc. Bien au contraire. Bah, je trouve acharné sur moi pour pas grand chose, parce que hein, voilà, bon, je vais pas revenir sur ce qui s'est passé, mais bon, on s'est acharné sur moi pour pas grand chose. Je pense que des personnes comme lui, à un moment donné, surtout de les faire passer pour des, entre guillemets, pour des cons, parce que c'est ce qu'il fait, qu'il fait passer, à force, il va arriver à un moment donné où ça va faire comme une cocotte minute. À force de faire ce qu'il fait, pour moi, il sera intéressant de faire ce qu'il fait, il va y en avoir un qui va sortir du lot de tous les autres tout petit streamer comme moi. Il va aller le voir sur sa chaîne et il va lui dire tout ce qu'il pense sur lui, tout ce qu'il pense sur sa façon de se comporter, ses mixeurs. Ça va certainement pas lui plaire et ça va, un jour ça va dégénérer, et voilà quoi. C'est de toute façon, c'est ce qui lui prend en lui. De toute façon, moi personnellement, si je stream, c'est pas pour avoir 30 ou 40 spectateurs. De toute façon, sur Mixer, j'en ai 0. Donc le problème, il est vite clair. Le problème, il est vite réglé. Mais lui, à faire ce qu'il fait là, nous, les petits streamers à côté, il nous fait passer pour je sais pas quoi d'ailleurs. Et il va y en avoir un parmi l'autre qui va pas du tout apprécier ça, et il va s'en prendre plein la gueule, c'est sûr. Et ce jour-là, quand ça arrivera, qu'il va s'en prendre plein la gueule, j'aimerais bien être là. J'aimerais bien être présent sur son live quand ça arrivera. Et ça va arriver, hein. Plus vite qu'il ne le croit. Parce que là, c'est pas possible, quoi. Quand on voit un mec comme lui, nous à côté, il nous fait passer pour des rigolos, quoi. Il nous fait passer pour des rigolos.
Moi, j'apprécie pas tellement qu'un mec comme lui nous fasse passer pour des rigolos, quoi. C'est... Bon, malheureusement, je dis rien. Enfin, si, sur mon live, j'en parle, mais... Sur mon live, j'en parle, mais... je dirais pas sur son live pour... pour dire ce que je pense de lui. Et de son attitude. Parce que si je le fais, j'ai encore des problèmes. Donc, j'ai encore des problèmes. Donc, je le fais pas. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y en ait un qui le fasse. Qu'il aille sur son live et puis qu'il aille sur son live et qu'il lui apprenne. Je dirais pas qu'il lui apprenne la vie parce que. Je dirais pas qu'il lui apprenne la vie, mais. Qu'il lui fasse bien comprendre que. Qu'il lui fasse bien comprendre que. Que faire ce qu'il fait, ça commence à suffire et que. Que faire ce qu'il fait, ça commence à bien faire. Et que les petits streamers en aura le bol. Voilà. Ça j'aimerais bien que ça. J'aimerais bien. Mais ça arrivera, hein. Ça arrivera. Ça arrivera. C'est sûr. Ça va prendre le temps, parce que ça va prendre le temps, mais ça va arriver. Ça va arriver. Je suis méchant, hein, mais... Je suis méchant. Je suis méchant, mais j'aimerais tant que ça arrive. J'ai vraiment hâte que ça arrive. J'ai vraiment hâte que ça arrive. Et ça arrivera. Hein. Ça arrivera. C'est sûr. Ça arrivera. Moi j'ai bébé avec moi hein, quand je faisais la codiffusion avec Damien et puis quand je faisais la codiffusion avec Damien et avec des personnes sur Mixer, j'ai bien vu ce que je j'ai bien vu. J'ai bien vu de quelle manière. 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 J'ai bien vu de quelle manière ils se sont occupés de moi. Hein. Ah bah.
Tout ça parce que j'ai fait de la... Tout ça parce que j'ai fait des... Tout ça parce que j'ai fait de la codiffusion avec lui. Ça leur a pas plu, donc voilà quoi. Mais bon, en même temps, voilà quoi. Je fais la codiffusion. Je fais la codiffusion avec qui je veux. Hein, en même temps, j'ai pas de compte à la, j'ai pas de compte à la rendre. Hein, je veux dire, si j'ai envie de faire la codiffusion avec. À l'époque, si j'avais envie de faire la codiffusion avec avec Damien, j'en faisais avec Damien. Hein. Ça va poser problème ou pas. Mais bon, c'était à l'époque ça. C'était à l'époque. Maintenant, bah voilà quoi. Mais moi j'ai vu ce qu'ils m'ont fait quand j'ai fait la codiffusion, quand je faisais ce que je faisais avec les autres, et tout ça. J'ai vu ce qu'ils m'ont fait. Donc voilà. Mais bon, peu importe. Charles dit Aoki. Ce gamin avait du talent. Il piquait les bases, il frappait. Il couvrait tout le terrain avec son gant. C'est la magie des stades avancés. C'était déjà le cas à l'époque. Il y avait que moi qui le savais. Je m'appelle Georges. Je surveille les routes pour Ellie. Je l'informe de ce que font les cinglés. C'était un patelin où les gamins rigolaient et jouaient au baseball. Je les entraînais un peu. Je jouais chez les amateurs. Bloqueur chez les cougars de Home County. Mais c'était il y a longtemps, avant cette putain de guerre. J'ai consulté mes vieilles cartes. Ces fumiers de fanatiques ont tué toute notre équipe. J'aurais juré que ma collection était complète. Mais il me manque des cartes. Eh, tu pourrais ouvrir l'œil et m'apporter ces petites merveilles? Reviens quand tu les auras. Ce serait bien de rappeler le bon vieux temps aux gens. Combien? Oh tiens, 9. C'est toi qui l'y as sauvé? Tic tac tac.
Bon. J'imagine qu'il va falloir que j'aille. J'ai acheté la carte déposition des cartes. Les cartes là. Salut. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Ouais, d'accord. Bon, je crois que je ferai ça. Ouais, je crois que je ferai ça une prochaine fois. Ouais. Je crois que je ferai ça une prochaine fois. Content qu'il soit plus à la secte. Elle y dressait des loups pour foutre le bordel. Ils envoient ces salopés de loups directement à la vieille Syrie pour garder les prisonniers à l'œil. Avant, on avait un ours ici qui s'appelait Cheeseburger. C'était une sorte de mascotte locale. Il avait un faible pour le barbecue de Tchad. Mais ça lui a filé du diabète, alors on l'a remis au régime saumon. Enfin bref, la secte a tenté de le choper, alors je l'ai libéré. J'ai entendu dire qu'il foutait un sacré bordel. Quelqu'un devrait aller le chercher pour s'assurer qu'il va bien. Attrapez des saumons dans le bassin avant de partir. Vous n'aurez qu'à les donner à Cheeseburger. Et il vous obéira au doigt et à l'œil. Cheeseburger. N'importe quoi.
Ouais, je fais ça et puis après j'arrête. Bon, je vais me chercher un verre à boire. Je reviens. Thank you.
Le moral était bon. Thank you.
Bien la musique. Bien que ça arrive. Fallait bien que ça arrive. Tu dois avoir vraiment faim. Tu savais qu'il faut 10 jours pour qu'une civilisation s'effondre. Ouais. Prive un homme de ses besoins de base et il reviendra à ses instincts primaires en 10 jours pile. C'est quelque chose d'incompréhensible tant qu'on ne l'a pas vécu. J'étais en Irak, en 91. Dans la 82e fierté de l'Amérique. Hourra ! Une nuit, il y a eu une attaque.
Avec un type Müller, on se retrouve séparés de l'unité. Pas de bouffe. Pas de radio. La seule base est à 200 bornes vers le sud, alors on se met à marcher. Bon. Au bout de 3 jours, je sais qu'on est perdu. Le 6e, on se retrouve sans eau. Tu sais comment c'est, pas vrai? Dur de déglutir. Le 7e jour, les jambes de Miller commencent à le lâcher. Tu savais que ton cerveau pouvait manger tes muscles pour essayer de survivre. C'est pour ça que t'es maigre comme un clou. Et au 8e jour, les loups se rapprochent de nous. J'ai regardé Miller et j'ai compris qu'on était foutus. Mais je l'ai accepté. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux. Tu vois, c'est pas Miller que j'avais en face de moi. J'étais devant une opportunité. J'en avais pas vraiment envie. Mais j'étais obligé de le faire. C'était mon épreuve. Mais tu vois, le sacrifice de Miller ne m'a pas uniquement permis de survivre. Il m'a aussi conduit ici. Les faibles peuvent être utiles. Tu t'en rendras compte très vite. Tu vas voir ce qu'il va te faire, les faibles. Tu vas voir ce qu'il va te faire, les faibles. Tu vas voir ce qu'il va te faire, les faibles. Bah les faibles. Accomplis ton sacrifice. Accomplis ton sacrifice. Oui, sacrifice est faible. Oui, merde, de merde. Tu es faible. Oh putain. Pas un héros.
est un guerrier. Entraînez, traquez, tuez, sacrifiez. J'ai bien étudié le tracé. C'est la seule issue. Tout ira bien. Bon, c'est un peu difficile, hein. Je peux pas être au four et au moulin, comme on dit, hein. Je peux pas être au four et au moulin. Et bon, allez, j'arrête là, je regarde là, hop, tac. Et je prends ça demain. Ah,
Tu connais Ellie ? Je crois pas que White Lady. Bonjour. Bon allez. Hop. Je regarde, je peux pas sonner. Si je peux sonner. Allez, j'arrête là. J'arrête là. Continue comme ça. J'arrête là. Tac. Hop. Allez, j'arrête. Tac. Hey, take.